Équipe ici, j'ai pris un fil de fer, en rouleau, que j'ai détendu à une certaine longueur. Après ça, j'ai pris avec le même fil, j'ai formé les lettres pour écrire le mot équipe. Ça se faisait de façon assez simple. Après, pour retenir les morceaux de métal, il y a des bouts où est-ce qu'il y a plus de cordes qu'ailleurs. Mais ça, c'est pour les retenir parce que ça s'écartait tout le temps. On les a enroulés, puis comme il y avait de la corde noire, on s'est dit on va pas juste rouler les bouts comme ça, on va enrouler toutes les lettres, une espèce de spirale, puis ça a donné ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Bruno Gilbert Sanson, je suis en secondaire 5 à l'école Monseigneur Parent, et cette année, en musique, on a fait un projet, corde et harmonie, qui s'appelle la musique des mots. Alors, avec 16 mots qui nous faisaient penser à la musique, on a écrit 16 mots qui nous faisaient penser à la musique, et dans ces mots-là, les lettres correspondaient à des notes. Et à partir de ces notes-là, on composait une mélodie. Et avec cette mélodie-là, on composait un accompagnement. Avec cette musique-là va servir à une exposition qu'on va faire à nos deux concerts de Noël, Corde et Harmonie, pour montrer une exposition en conjoint avec le département d'art de l'école, qui, eux, ont fait un projet avec des instruments recyclés, des vieux instruments qui ne servaient pas. Eux, ils vont en faire des sculptures, des œuvres d'art avec ces instruments-là. Alors, durant les concerts de Noël, pendant que les instruments vont être exposés, nos mélodies vont être présentées en même temps que les gens vont regarder. Alors moi, je peux vous montrer ce que, dans mon cas, la mélodie nous a donné. Thank you.
3. Thank you.